Nie rozglądaj się za malwą, za uśmiechem ścian bielonych. Biedne wzgórza tu się garbią, sosna mówi pochwalony. Tu szczupaki ostrzą zęby, gwarzą pszczoły w swojej gwarze. Szpak depeszę śle do zięby, mruczą osy w rabarbarze. Disons avec humour, mais on est ce qu'on appelle un couple historique. Les gens, ils sont inséparables, on ne sait pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi. Parce que nous, on a une histoire qui s'est toujours mariée avec l'histoire. Et notre histoire, elle est liée, point liée même, à l'histoire. Je ne fais pas de noir, je ne fais rien du tout. On n'a jamais fait ça. Et ce qu'on peut balancer, c'est peut-être la... On a fait, nous, une sorte de révolution. Et puis, comme ensemble, on touche... un grand nombre de gens qui ont fait le tour du monde, ben, ça remet les histoires de couple à l'endroit. Première fois que je fais ça. Qu'est-ce qu'on dit dans Molière ? Dans quelle galère ? Il y a quelques personnes très très sympathiques. Non, mais j'ai l'impression de retrouver en 1939. Non, mais attends, parce que je mettrais une, tu sais, une barre en bas de lumière. Mais oui, mais tu te souviens, c'est quand on a joué Guernica en Allemagne de l'Est. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est complètement en Allemagne de l'Est. Dans quelle galère, oui. Ah, yes. Alors. Non, ici sur votre boîte vocale. Bon, comment ? C'est sa boîte vocale. Bon, alors, je ne sais pas. Il faut que tu décides très vite, est-ce que tu préfères Bassendorfer ou Steinway ? Bon. Bassendorfer, il est clavier le plus dur, et Steinway, il est plus... Steinway, il est plus doux, comme toucher. Alors, si je ne peux pas communiquer avec toi, je m'en fous. Payé. Avec accent. Accent. Mais il n'y a pas d'accent dans le... On peut écrire. Ça, c'est ça le mot. En 1974, Anna Prychnan a été totalement interdite en Pologne. Interdite, ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit de rentrer. On l'a déchue de sa nationalité. Il était interdit en Pologne de publier son nom, de diffuser ses films. La chose classique dans ces pays, ils vous effaçaient, elle n'existait plus.
J'étais interdite. Alors, j'ai commencé à avoir les complications avec la famille. Et ma mère, très vieille déjà, elle était obligée d'aller tous les jours au commissariat pour dire les choses. Ma maison était liquidée. Et ma sœur ne voulait pas qu'on parle de moi parce que ça allait poser des problèmes. On m'a interdit d'aller même aller à l'enterrement de ma mère. Pourquoi? Ça, c'est pas bon. Elle a joué dans un film pornographique qui avait le caractère antisocialistique, antipolski, antiradzicki, et jouait le rôle principal. En 2001, Anna a reçu l'autorisation de consulter son dossier de police, mais en consultant ce dossier, c'est un dixième ou un centième des choses qui ont été écrites sur elle qui lui ont été confiées. Elle s'est seulement aperçue d'une chose, c'est que les principaux dénonciateurs étaient simplement ses propres amis, ces gens qui étaient si révolutionnaires, qui ont été tous solidarnosc et qui étaient déjà quand même des flics, des mecs qui dénonçaient d'autres mecs pour avoir un passeport, pour avoir des petits avantages. Alors voilà. Et j'ai appris qu'ils m'ont tous dénoncé. Mais je ne sais pas quoi dire dénoncer. C'est rien, c'est petite chose. C'est petite chose de rien. Mais moi, je ne dénonçais jamais personne. C'est tellement petit, on m'a dit, mais c'est pour avoir le passeport. Et c'est le système qui voulait ça, que les gens, ils s'abaissent. Et on a essayé de voir le moins possible les Polonais. Je dirais même que cet esprit, c'était un peu comme dans la résistance, on l'a un peu conservé. C'est-à-dire que maintenant, quand une porte s'ouvre, enfin une porte polonaise s'ouvre, on se demande toujours ce qui va apparaître. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай щасливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, давай рвущему все власти на гвоздь. Свасяк свасть, дай передишку щодрому, аж до исхода дня. Кай, дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верю в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждой уши тихим речам твоим, как верует небесами, не верю, что твори. Cicho, ja śpiewam i mój głos jest, to zależy, to może trwać naprawdę, może od razu dojść, że będzie tak zwany dźwięk, a czasami trzeba szukać długo, jeżeli człowiek, z którym pracuje, nie zna. Les gens me disaient, mais quand est-ce qu'Anna retournera en Pologne? Et je dis, après tout ce qu'ils lui ont fait, la
cette fois où elle reviendra en Pologne, elle descendra sur un tapis rouge et lui présenteront les armes. Et je disais ça en plaisantant. En 1989, François Mitterrand fait une visite officielle en Pologne et son idée, c'était de prendre Anna Bruckner parce que c'était quelqu'un qui avait le sens de l'humour, c'était bien d'amener en Pologne un personnage qui était interdit. Et là, Anna est arrivée, il y avait des gens qui présentaient les armes et elle est descendue sur un tapis rouge d'un Airbus présidentiel. Il dit, vous avez besoin combien de temps pour le son? Je dis, ça je ne sais pas. Si je travaille avec un sonorisateur qui ne me connaît pas, ça peut durer 5 heures, ça peut durer 2 secondes. Il faudrait que le son y ait là. Ce n'est pas comme ça, hop, et c'est fait. C'est quand même, ça prend le temps. Alors il dit non, c'était bien dit que le son, aujourd'hui c'est la lumière, voilà. Je dis mais je ne crois pas. Ou si vous êtes tellement magicien. Il dit mais on n'a pas matériel. J'ai bien dit qu'on a matériel que demain. Elle dit ah non, alors faites ce que vous voulez. Je sais que j'ai un concert. Bon, on verra. Peut-être il y a le miracle. On est dans le pays des miracles. En Pologne, toujours des problèmes. On est arrivé toujours à les résoudre. Mais je ne suis plus aussi dynamique que quand il y a quelques années. Quelques années, je me serais vraiment fâché, mais tu es là. Là, j'ai marqué mes numéros. Là, c'est top secrète. Ah oui, je t'ai manipulé par Jean, c'est sûr. C'est sûr. Comme des cinéastes, il a traité mon premier spectacle de chanson en lumière différemment que tous les autres chanteuses d'époque, je sais pas comment dire. Et les gens voyaient un film et pas un tour de chant. Pas la vie qui est importante, c'est le spectacle qui est important. C'est terrible, mais c'est ça. Laissez-moi tomber dans
dans la moisson. Oh, fait bon Dieu le vent et l'âge et le rêve et le feu et le sortilège. Je t'ai toujours aimé, tu m'as tout oublié et c'est demain l'été. Et c'est demain l'été. Et c'est demain l'été. Voilà, oh, bah, écoutez, la star. Il y a horaire de ça. On fait ça, très bien. On ne sait pas. Peut-être que c'est un voilà, c'est bien, c'est bien. Już on tego nienawidzi, już gwiazda, rozumiesz, się robi, już nic nie możesz powiedzieć. On peut voir, est-ce que... C'est chaud. Oui, non, mais attends. Il n'a pas horaire de tout, moi, j'ai horaire de... aussi, j'ai difficulté, non? En dehors du succès immédiat qu'a eu le spectacle d'Anna, pour beaucoup de journalistes, Anna est tout de suite apparue comme un personnage symbolisant la dissidence en Pologne et dans les pays de l'Est, à l'égal d'un Wolf Biermann en Allemagne, par exemple. Et tout de suite, elle est devenue l'image de la liberté, contre... contre le communisme, contre le totalitarisme. Ale nam potrzeba tylko godzinki, także mamy dużo czasu. A 10 h ils sont derrière la porte et il attend. À 12h30, il finit spectacle, il pose tout, il besoin une heure pour installer le machin. Puis très vite, moi j'ai écrit deux chansons, qui s'appelaient L'été et Ma dissidence. Et ces chansons-là sont devenues, sans qu'on s'en aperçoive, des chansons qui ont déterminé le personnage d'Anna Bruckner. Le spectacle s'est modifié, mais il est toujours resté sur ce même thème. Kinder Jahren, süße Kinder Jahren, ewig bleib ihr Einzigkorn. Wenn ich trage zu meiner Zeit, tut mir also bald und leid. Oh, wie schnell bin ich schon alt geworden. J'aimerais avoir un peu plus de présence d'Anna dans mon retour et un tout petit peu de piano. Anna, qu'est-ce que c'est? C'est un animal sauvage qui est présenté au public et c'est pour ça que il y a cet tel rapport de haine-amour avec le public. Il y a des gens qui ne supportent pas Anna Bruckner, qui ne l'aiment pas parce qu'il ne rentre pas ils n'acceptent pas d'ailleurs cette personnalité, ou ils en ont peur. Thank you.
Ja mogę tak pracować. Ja uważam, że pewnie jest za głośny, ale ja mogę tak pracować, czyli mi jest wszystko jedno. Je veux savoir, est-ce que je dois me guider? Et là où je vois les lumières, je fonce. Oui. D'accord. Parce que... Là, je ne vois pas de lumière, je ne vais pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Très bien. Alors tu ne t'étonneras pas. Et je ne peux pas me déplacer. Mais, par exemple, bon, je suis prise là. Et soudain, je me déplace. Ça, je suis dans le trou ou non? Non, les poursuites te poursuivent. Tu auras tout le temps les poursuites, comme je maintenant, peux. Là. Je peux bouger. Ja mogę się ruszać, tak? Zawsze mnie ktoś złapie. Tak? Oui. Dobra. Jean, essaie. Essaie voir si mon micro est là. Et je rentre avec Jacques sans micro et je parle. Quand même, on m'entend, non? On m'entend dans n'importe quel théâtre. Même en disant que je parle même trop fort. On fait l'entrée. Anna, elle a un rapport charnel avec la scène. C'est difficile. C'est-à-dire que la scène, elle n'est pas la seule, mais elle est de ces gens-là pour qui la scène est un territoire qui lui appartient dès qu'il pénètre dans une salle de spectacle. Je ne le touche plus. Aujourd'hui, un spectacle comme celui que présente Anna, un spectacle de chanson, c'est difficile de ma part de le dire, mais je crois qu'il est toujours resté d'actualité. Les gens, ils ne regardent pas le pianiste, ils ne voient pas le pianiste. C'est simplement une sorte de bruit qui accompagne toute cette tempête et cette mer calmée parfois qu'est Anna Bruckner. Donc le pianiste, il est une sorte de personnage anonyme qui remue des notes autour d'Anna. Et en général, en lumière, j'essaye de faire qu'on ne le voit pas. Thank you.
где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китальчонок Ли? Мне кажется, потом влюбились в португальца. А может быть, с мойцем вы ушли. Последний раз я видел вас так близко в пролет улиц, вас умчав там. Мне снилось, что теперь в притон Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто. В таких интимных моментах фильма «Матч»? Le combat, c'est toujours moderne. Et si elle montre quelqu'un qui se bat, elle est moderne. Zobacz. Byłem we Francji, bardzo piękna jest, bardzo mi się podoba. Zobaczmy teraz. Myślę, że będzie dobrze. Nie jest ani za luźno, ani za ciasno chyba, tak? Dlaczego on nie chce tu leżeć? Bo odstaje. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w słonko zmienić siebie? Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Teraz się wszyscy popłaczymy. Voilà. Alors, je vous présente mon chef d'orchestre, mon orchestre, mon pianiste, Jacques Payet. Mon souffle douleur, bien entendu. Et Jean Maillan, qui m'a mise en valeur. Je n'appartiens à personne, mon cœur n'est pas un captif. Ce qui me plaît, je les donne. Je le reprends sans motif. Si j'aime un brun de passe, un blond aux tendres aveux,
les bruns m'obsèdent, mais là, et c'est le blond. On me dit, va toujours dans la lumière. Que je veux, qui j'aime, problème, je me suis mêlée, mon cœur bohème toujours. Charnel, cruel, je suis infidèle, je veux où m'appelle l'amour, le cri, le coup, les prières, les larmes. Je vibre, mais je reste libre. Promesse, richesse, rien ne m'intéresse si ce n'est l'ivresse d'un jour. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grandiert, wo ich höre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Wie soll in etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne, gefällt doch auf allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Qui j'aime, problème, je ne sais pas mieux. Mon cœur bohème toujours. Charnel, cruel, je suis infidèle. Je veux où m'appelle l'amour. Le cri, le coup, la prière, les larmes. Rien n'a des armes, je vibre. Et je reste libre, promesse, richesse, rien ne m'intéresse, si ce n'est l'ivresse de... Je ne retournerai plus en Pologne. Je retournerai chez quelques copains, mais personne ne saura que je retournais. Et je ne retournais plus. Je n'ai plus personne. J'ai ma sœur. Et non, je ne retournerai pas. C'est trop douloureux. Et j'ai décidé de me faire pas mal. Autant de nos 20 ans, autant printemps de mai, de la vérité vraie, au mois de mai, printemps, qu'on se levait le jour, on ne croyait qu'en notre amour. Quand tous les deux ensemble, en voulant changer la vie.
vint en plein temps un mois de mai, de Paris ou de Varsovie, de Prague au cœur de Berkeley. C'était d'amour le même écrit.